C'est Charles Dubus, votre conseiller jardinage Lantana Paysage. Nombre de nos amateurs de jardin m'ont demandé comment avoir un gazon sans pâquerettes et pissenlits de manière écologique. Plusieurs stratégies sont possibles, mais autre que l'huile de coude, il faut créer un environnement favorable aux graminées qui composent vos gazons et défavorable aux adventices comme les pissenlits ou les pâquerettes. Plusieurs actions sont à mettre en place. La première est déjà de tondre en position haute, de façon à étouffer progressivement les différentes adventices. Puis, au printemps, à l'automne et parfois même au milieu de la saison, vous pouvez scarifier votre gazon et en parallèle épandre de la matière organique comme du compost, du terreau ou du fumier. En parallèle de la scarification, refaites un sursemis, c'est-à-dire rajoutez de la graine dans votre gazon de manière, encore une fois, à étouffer progressivement vos adventices. Le conseil plus, ajoutez du calcaire, car bien souvent vos sols sont devenus très acides et le calcaire favorise la fixation des éléments nutritifs que vos plantes ont besoin. De manière générale, il faut créer un environnement favorable aux graminées et défavorable aux adventices. Mais quelques adventices dans votre gazon, quelques fleurs de pâquerettes, ne nuisent pas à sa beauté. Envie d'en savoir plus? Besoin d'un conseil? À vous de cliquer. Laissez-nous un message et nous vous recontacterons. À très bientôt. Au revoir.